Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Moi, j'ai lancé un appel ici au président de la République. Si ce que dit M. Fayoul, qui est député, Fayoul est député. Donc s'il dit ça, c'est qu'il sait de quoi il parle. C'est qu'il sait de quoi il parle. Ceux qui veulent aller contre ce qu'il dit, alors que le bureau de l'Assemblée nationale fasse un communiqué et qu'il nous montre avec preuve que Fayoul n'a pas raison. Parce que pour l'instant, c'est le silence radio partout. Et si c'est le silence radio, c'est comme l'adage qui dit mon consent. Alors, donc, vraiment, moi, j'ai dit la volonté politique du président de la République. Le Premier ministre élabore la loi des finances, le projet de loi des finances, et puis l'envoie au Parlement. Mais alors, qu'il prenne les mesures nécessaires pour réduire les trains de vie des institutions. Mais c'est scandaleux. Donc, quand un professeur d'université, tout, 10 fois moins. Et quand on connaît l'importance de l'éducation pour le développement d'un pays, c'est dans ce système éducatif-là que la conscience des citoyens se forge. Et voyez un peu la différence. J'ai dit 10 fois moins, c'est peut-être même un peu... Mais c'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins. C'est pas normal. Et le président de la République, quelque chose. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.